anglais. Tu fais quoi ici? Parce que je te vois à chaque fois à Los Angeles, on se capte ici. Et c'est pas que les vacances, comme je disais tout à l'heure, il y a autre chose. Non, on est là pour bosser, hein. On est là pour bosser. Ça fait 3 années que j'y vais. Bon, là, avec le Covid, on n'a pas pu venir, mais sinon, je vais ici après les saisons pour nettoyer un peu, faire un bilan physique. Et puis aussi pour retravailler sur certaines choses, pour toujours être dans le but de s'améliorer, d'être mieux physiquement que la saison d'avant. Et puis voilà, je pense que c'est le cadre parfait pour allier vacances et aussi travail. Il fait beau, les gens sont cool, la ville est top. Donc c'est un endroit où on aime bien venir. Et toi, du coup, vu que maintenant tu vis à LA, ça ressemble à quoi les journées? Bah, moi, je fais encore les allers-retours avec la France, quoi, encore. Mais bon, l'idée, c'est de venir définitivement ici. Après, j'ai mes enfants, donc j'attendais notamment que mon fils passe son bac. Et maintenant, ça y est, c'est bon. Ok, donc. Donc voilà. Non, moi, je travaille pas mal ici. Et est-ce que l'idée, c'est. Là, je vais ouvrir la filiale de ma boîte ici aussi. Ok. Mais au-delà de ça, c'est un endroit où j'ai beaucoup de facilité pour travailler. Déjà, même en termes d'écriture, etc., avec le cadre. Mais aussi, en fait, il y a plein de choses pour moi qui sont à faire encore ici, qui ne sont pas dans mes domaines. Notamment, tu vois, dans le manga, l'animation japonaise. Il y a un gros, gros boom ici depuis quelques années. Mais les États-Unis sont en retard sur plein de choses à ce niveau-là. En gros, ils sont, quand on était au pic, nous, en France, fin des années 90, ils sont à ce moment-là. Sauf qu'en termes de taf, à proprement parler, il y a plein de choses à faire autour. Et ils ne le font pas. T'es là pour Donc, développer ça, tu t'es on va dit on y va. essayer. On va essayer de faire plaisir aux Américains, tu vois. Donc, on essaye. Donc ouais, non, moi, je taffe beaucoup ici. Pareil, le Covid, ça a été dur parce que je pouvais pas venir. Donc on a mis en stop pendant. Moi, franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal parce que j'étais genre tous les mois ici, tous les 2 mois ici, et j'ai trouvé aussi un équilibre où je me sens vraiment bien ici avec j'ai des amis et voilà. Mais je pense que c'est pareil que toi. Il y a une telle douceur. De ouf. C'est comme je disais, c'est vraiment la ville parfaite pour nous. On y vient qu'en vacances, malheureusement, mais à vivre, ça doit être génial aussi, puisque c'est une ville où il y a plein d'opportunités à tous les niveaux, dans ton domaine aussi. Mais ouais, pourquoi pas plus tard. C'est un truc que tu te dis plus tard, franchement, quand tu seras loin du foot, entre guillemets, si un jour tu es loin du foot, mais en tout cas, en retraite de joueur, tu te dis, tu verrais bien vivre ici. Ouais, je me verrais bien vivre ici. Je me verrais bien vivre ici. C'est Il y a vraiment énormément de choses à faire. Le cadre est génial. Il y a des choses cool aussi à côté. Et puis juste la vibe, genre, Grave. c'est, je sais pas, les palmiers. Déjà, les palmiers, déjà, ça te met en vacances. Ça te met dans un mood où je sais pas, t'es bien. T'as juste envie de. Je vais te dire un truc, tu sais, quand j'étais petit, j'avais jamais vu de palmier de ma vie. Et mon père, il avait une sorte de poster où il y avait des palmiers, tu vois, c'était un paysage, je crois que ça devait être Miami ou quoi. Et dans mon inconscient, ça a toujours été le palmier, c'est vacances, exotisme. Grave. Quand tu viens ici, tu as des palmiers partout. Et il y a un truc que les gens ne savent pas forcément par rapport à LA, quand tu ne connais pas, tu pourrais dire LA, Los Angeles, c'est que de la frime, du machin et tout. Alors que pas du tout. Tu as le côté Hollywood, Ouais, bien sûr. etc. Ok, d'accord. Mais tu as le côté aussi la nuit, machin et tout. Mais tu as des endroits où tu peux être juste tranquille. Tu peux être en paix, tu peux t'isoler, tu peux te ressourcer. Il y a plein de trucs autour de la nature et tout. C'est ça que je kiffe aussi à LA. Non, et puis puisqu'on est là aussi pour parler des vrais trucs. LA, c'est une ville forte Bien sûr. historiquement, au niveau des tout part de là, que ce soit les créations, mais aussi tous les mouvements, notamment les mouvements sociétaux, quelque chose qui te concerne, quelque chose qui t'anime aussi de pouvoir parler de ce genre de choses. Peu importe le métier qu'on fait, que ce soit toi comme moi, ou même à partir du moment où on a une audience, et ça, c'est moi ce que je pense, c'est-à-dire qu'on peut ne pas penser pareil, tu vois, mais que tu aies une audience de 1 personne ou de 1 000 personnes ou d'1 million de personnes, tu as une responsabilité.
Et moi, j'estime que, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on ne peut pas juste se dire, je me regarde moi et je ne regarde pas autour. Une responsabilité de citoyen, en vrai, non? Exactement. La conscience citoyenne, c'est, elle est accessible à tous. On est dans un monde où, en tout cas en France, où souvent, pour X ou Y raison, par exemple, toi, tu es un footballeur, on va souvent dire, ouais, les footballeurs, hey, vous avez, pourquoi vous donnez votre avis sur ça ou quoi? Nous mettre dans des cases, en fait. Exactement. Moi, je sais, toi, t'hésites pas à donner ton avis sur des trucs qui t'interpellent. Et c'est normal. C'est normal, c'est juste. Je pense même pas au-delà de ça, responsabilité citoyenne, c'est juste partager en fait ce que moi, ma vision des choses et ce que je trouve juste, en fait, ça s'arrête là. Et je pense que, comme tu l'as dit, on a aussi quelque part des fois un devoir avec la plateforme qu'on a. On a la chance, je dirais, de pouvoir aussi toucher des gens. Et je pense que c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose de bien. Il y a aussi des devoirs. Bien sûr. On peut pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est naturel et c'est en train d'évoluer sur de ce côté-là, de pouvoir parler librement. Et c'est vrai que c'est dommage quand des fois, tu sais, certaines personnes, elles te ramènent à dire, hey, t'es foutu, dans ton coin, parle de foot, ou toi, t'es dans les animés, t'es dans les jeux vidéo, reste dans ton domaine, tu vois. C'est moi, en fait, c'est vraiment c'est la réflexion la plus bas niveau pour moi. C'est-à-dire que soit pour toi, tu joues au foot, et moi, je suis, comme tu l'as dit, que ce soit manga, jeu vidéo ou autre, pourquoi on ne pourrait pas donner notre avis sur une situation X ou Y? Qu'est-ce qui fait que... Et encore une fois, à partir du moment où, je sais pas, il y a des gens qui te suivent pour une raison, pourquoi tu vas priver, tu vas faire semblant? Ouais, Tu vois? priver les gens au final d'une facette de ta Ben ouais. personnalité, parce que ça fait partie, en tant qu'homme, tu vois. En vrai, il y a des esprits un petit peu de l'arrière-garde, tu vois, où ils se disent, bah, chacun a sa place. Il n'y a que telle catégorie de personnes qui peut s'exprimer sur telle catégorie de sujet. Moi, j'estime qu'à partir du moment où tu es sensible à un truc, après, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, tu vois. Exactement, et puis c'est fait sans prétention Bien, aussi, tu mais vois. bien sûr. Ça n'engage que nous. Exactement. Je pense qu'il y a une différence entre donner son avis et être sensible à quelque chose et se poser en donneur de leçons. Exactement, puis c'est un peu ça au final, avoir des il y a des causes qui nous touchent plus que d'autres, et je pense que tu peux avoir des avis, mais des avis surtout, c'est compliqué. Bien Et sûr. quand je pose des tweets, etc., je m'assure avant de parler d'avoir un petit peu fait mes recherches, tu vois, et de savoir de quoi je parle. C'est pour ça que pas réagir à tous les sujets, parce qu'il y a des sujets où j'ai pas la connaissance, ça serait prétentieux de parler de quelque chose dont j'ai aucune connaissance. Et ça aussi, c'est une problématique pour moi où on va dire, hey, tu t'es exprimé sur ça. Ah, mais t'as rien dit Sur ça, sur autre chose. c'est exactement Tu ça. vois ce que je veux dire? Mais en même temps, évidemment qu'on a tous des causes qui nous touchent de près ou de loin, auxquelles on est plus sensible. Et c'est humain. Et c'est attention, il y a un truc aussi sur lequel je veux insister, c'est ça ne veut pas dire qu'on est obligatoirement victime de telle ou telle injustice pour pouvoir être sensible à cette injustice. Ça serait super égoïste. On va pas se mentir. Toi, on va te dire, ah, imagine, tu parles d'un problème de pauvreté, par exemple. On va dire, ah, mais toi, tu es riche, pourquoi tu parles de ça? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? tu Parce que tu saisis es pas. footballeur, footballeur égale riche dans l'inconscient. Surtout que ça n'a pas de sens, parce Mais que y a non. plein y a déjà pour être sensible à certains sujets, t'as pas besoin de l'avoir vécu. C'est juste La soli enfin, de la solidarité, Exactement. de l'ouverture sur le Bien monde, sûr. en vrai, ouais. Et surtout, en plus, là, il y a certaines personnes qui portent des jugements, mais qui ne connaissent pas d'où ils voient juste ce que tu es maintenant, mais ils ne savent pas d'où tu Savent pas viens. ton parcours et savent pas les difficultés que tu as pu traverser à un moment ou un autre, ou des gens que tu peux connaître personnellement dans la vie qui peut-être Traverse traversent des des difficultés. périodes difficiles, etc. Et en vrai, j'ai l'impression que les gens qui pensent comme ça, c'est pour se cacher eux-mêmes. C'est-à-dire que tu sais, c'est pour se donner bonne conscience parce que eux, ils sont pas sensibles à des choses qui les impactent pas directement. Exactement. Donc, bah, eh non, donc tu sais, ils jettent ça sur les autres pour essayer de se déculpabiliser. Et puis c'est de plus en plus facile à faire avec les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est aussi
la beauté des réseaux sociaux dans le sens où avoir cette liberté d'expression, de pouvoir dire ce que tu veux, quand tu veux, avec une audience ou sans audience. Mais oui. Mais c'est aussi des fois le côté négatif, c'est que il n'y a pas de filtre et qu'il y a des personnes qui tiennent des propos juste insensés, tu vois. Non, mais clairement. Après, comme tu l'as dit, c'est le côté positif des réseaux sociaux, c'est que chacun peut s'exprimer. Après, c'est comme dans la vie. Il y a des gens, ils ont des avis de merde. Il y a des gens, ils ont rien dans la tête. Mais aussi, il y a des gens qui sont sensés, pertinents et qui peuvent faire bouger des choses. Moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est que, en fait, les réseaux sociaux, ils sont et ils deviennent ce que nous, on en fait. C'est-à-dire que si tu veux en faire quelque chose de bien, bah, ça en sera. J'ai vu des trucs de fou positifs sur les réseaux sociaux, débloquer des situations vraiment avec des personnes en difficulté. J'ai vu plein de gens se mobiliser. J'ai vu des gens sauvés, tu vois, par les réseaux sociaux, sauvés de la rue. Évidemment, on peut dire, ouais, mais c'est une personne, c'est 10 personnes, c'est 100 personnes. Mais un plus un plus un Mais bien plus un. sûr. Mais à partir du moment, encore une fois, à quel moment on s'est dit, aujourd'hui, on pense à nous et que à nous, que à ce qui nous touche, que à ce qui nous concerne directement et pas au reste. Mais encore une fois, si on fait ça, mais on est foutu. On arrive dans un monde individualiste où on se renferme et on n'arrive pas en fait à s'en sortir tous ensemble. Alors c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être utopique et candide, tu vois. Mais moi, je pense que vraiment, je suis content en fait qu'il y ait les réseaux sociaux parce que pendant longtemps, on catégorisait notamment les footeux. Eh, vas-y, t'as rien dans le crâne, tu t'as pas à donner ton avis. Etc. Est-ce que pour toi, comme tu es jeune, tu vois, tu penses que tu es de cette génération-là où, au final, maintenant, il n'y a plus personne qui doit avoir la main sur ta pensée à toi? Non, je pense qu'il doit pas, on ne doit pas se mettre de barrière par rapport à ça. Je pense que ça permet d'exprimer ta personnalité, qui tu es, que les gens aussi voient ce que tu es en dehors du foot, en dehors du joueur, parce que c'est souvent ce à quoi on est ramené. Et au final, avoir cette liberté d'expression et ne pas avoir peur d'exprimer ses opinions, parce qu'au final, pour ma part, c'est juste être à l'aise avec moi-même. Je ne me sentirais pas bien si je n'étais pas capable de pouvoir m'exprimer sur le sujet sur lequel j'ai envie de m'exprimer. Ça serait me freiner, tu vois. Ouais, grave. Ouais, je comprends. Honnêtement, c'est. En vrai, pour moi, c'est juste humain. Après, ça veut pas dire, encore une fois, que tout le monde. Ça veut pas dire qu'on dit tout le monde doit faire ça, tu vois. Chacun doit faire comment il ressent les Ouais, choses. exactement. Et si quelqu'un a envie de s'exprimer, éprouve le besoin et être dans cette dynamique-là, faut pas qu'il soit freiné parce que certaines personnes vont dire que. Là, tu vois, il y a pas mal de polémiques. On parlait des réseaux sociaux, etc. Il y a des joueurs qui ont pris position, par exemple, sur les paris sportifs. Et on va leur dire, ah ouais, toi, t'as pris position sur ça. Mais là, ah, à côté, t'as vu, t'as pas dit ça. Parce que les gens aiment bien chercher, ils vont toujours regarder ce que tu fais pas au lieu de regarder ce que tu fais. Et c'est ça aussi. Ce qui est triste, c'est que les gens, comme tu disais tout à l'heure, ils vont se raccrocher à ce que eux-mêmes n'ont pas souvent, des fois, le courage de faire ou juste l'envie, parce que des fois, c'est aussi une question Bien sûr. d'envie. Et c'est beaucoup plus facile de taper sur quelqu'un qui fait que sur quelqu'un qui fait pas, malheureusement, dans la société dans laquelle on est. Et toi, je sais que tu t'exprimes, t'étais exprimé notamment sur les paris sportifs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec toi sur le fait que. Ouais, les paris sportifs, en vrai, tu sais quoi, je vais te dire, j'ai rien calculé. Je regardais le foot, c'était quoi? C'était l'Euro, je crois, ou je sais plus, bref. Ouais. Et v'là les pubs, v'là les pubs, v'là les pubs, v'là les pubs. Et j'ai tweeté tu vois, pour moi, c'était juste, je voyais, c'était un attrape-nigaud, tu vois, et tu vends du rêve à des jeunes, tu prends leur code et tu transformes tout ça et tu leur fais croire en vrai que, vas-y, c'est une fin en soi et que, ouais, tu peux. Ça me faisait mal, en fait, parce que je revoyais des mécaniques sur des darons avec le PMU, tu vois. Ouais. Et moi, quand j'étais petit, je voyais les darons qui se tuaient au PMU et tout. Et ce qu'on se C'est la disait, même c'est chose. nous, frère, on va pas faire ça. Ouais. Mais en vrai, avec les paris sportifs, c'est ce C'est qui. Tu vois, ça vise. Le fait de cibler une certaine catégorie de personnes, etc., ça m'a énervé. ouais. Et au-delà d'énerver, je me suis dit,
Voilà, moi, j'ai pas la prétention de quoi que ce soit, tu vois. J'ai, encore une fois, comme tu as dit, on exprime nos opinions et voilà. Et je suis content parce que y a plein de gens qui ont réagi, etc. Mais pareil, moi, on m'a dit, ah ouais, tu t'exprimes sur ça, mais toi, tu t'exprimes pas là-dessus, machin. Mais en vrai, je m'en tape. Ouais. Bah ouais, je m'exprime sur des sujets, je peux pas m'exprimer sur tous. Et parfois, ça peut paraître peut-être injuste, mais ça veut pas dire que le sujet sur lequel je me suis pas exprimé, je suis pas sensible. C'est peut-être juste que je suis même pas conscient. Ou au courant, tu vois. Ouais, ou que juste j'ai même pas assez de clés, tu mais vois. Grave. Point de vue, qu'il y a des gens qui pourraient exprimer ça beaucoup mieux que moi. Mais là, c'est très sérieux, mais tu regardes les commentaires sur toi quand. Ouais, je les regarde. Je regarde. Pas tout le temps, mais je les regarde. C'est un truc où tu te dis, des fois, les gens, ils sont méchants, ou plutôt, les gens, ils sont cool, ou. En vrai, de vrai, dans la vraie vie, les gens, ils sont tout le temps gentils, ils sont tout le temps bienveillants. Après, sur les réseaux, il y a tout. Il y a des gens qui sont bienveillants, il y a aussi des gens qui sont malveillants. Après, c'est des choses sur lesquelles j'essaie de pas trop m'attarder, mais des fois, j'hésite pas parce qu'au final, on est deux personnes, on est pareil. Et des fois, j'hésite pas à répondre quand je sens que. Quand ils sont à quelque chose qui passe mal, tu essaies toujours de faire abstraction parce que tu dis tu veux pas donner d'importance à ces gens-là. Mais en vrai, ça reste dans ta tête. Mais des fois, il y a des choses qui ont besoin de sortir, surtout quand il y a des choses qui gonflent. Par exemple, il y avait un moment donné, j'avais des douleurs, etc. Et je pouvais pas beaucoup jouer. Il y avait un truc, genre d'une rumeur qui gonflait comme quoi je faisais pas tout pour. En fait, j'avais pas envie de jouer, genre. Alors que c'était complètement faux, j'avais juste vraiment des douleurs qui ne me permettaient pas de pouvoir jouer. Et un jour, c'était trop et j'ai décidé de balancer un tweet pour dire, bon, peut-être pas de la meilleure des manières, mais juste pour dire, les gars, vous savez pas de quoi vous parlez. En vrai, si je joue pas, c'est parce que je peux pas, tu vois. Et des fois, c'est bien aussi de, sans être dans l'invective et être dans le côté négatif, mais juste. Exposer ta vérité en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans le milieu dans lequel on évolue, qui parlent à ta place. Et à un moment donné, ça sert à ça les réseaux sociaux aussi, c'est contrôler mes pensées, mais contrôler ma parole. Et tu disais, c'est marrant parce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'exprimer à ta place. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux et il y avait, pour le foot, il y avait des journalistes sportifs, tu vois, mais ça existe encore, en tant que journaliste sportif. Il y en a, à un moment donné, il t'a pas loupé, il a été dur avec toi quand même, tu vois. Ouais, on peut le nommer, hein, monsieur Riolo. C'est Riolo, hein. C'est ça. Il avait dit des trucs complètement. Déjà, c'était des choses qui étaient pas correctes, exactes, et qui correspondaient pas avec mon profil de jeu. Et puis surtout, la critique, ça fait partie de notre métier. En vrai. On est jugé. Bah, quand t'es pas bon, il y a rien de mal à dire que t'es pas non, bon. Non, t'es pas bon. C'est un fait. Parfois, tu vois, c'est un fait. Tu t'es pas bon. Le mec, c'est son taf. Il dit t'es pas bon. Après, il y a la manière de le dire. Il y a la manière de le dire. Et aussi, est-ce que c'est vrai? Là, c'était les deux. C'était que c'était pas vrai. C'était la manière. Ce qui m'a le plus dérangé, c'était la manière. Je pense qu'il y avait eu. Du manque de respect, mais c'est pas forcément que lui, c'est plus global, plus général. Je pense que il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas dans une bonne direction, dans le sens où ce genre de commentaires, surtout à une époque où j'étais jeune, ça peut casser de la confiance de certaines personnes. C'était pas mon cas parce que je me suis pas arrêté à ça, mais tu peux pas flinguer quelqu'un pour un match, une erreur, spécialement quand t'es jeune et surtout de cette manière. Et c'est plus ça où, qui est devenu. C'est plus la forme que le fond. C'est plus la forme. Parce que comme tu as dit, on est jugé sur ça, mais c'est plus général. Je pense que, on peut pas. Clairement, par exemple, sur cette fois-ci, il connaissait pas mon jeu, en fait. Il m'avait pas vu jouer. Tu vois? Et comme on disait tout à l'heure, on peut pas s'exprimer sur. Tel joueur, autant de joueurs, sans avoir des fois même le temps de regarder, puisqu'il y a énormément de matchs. Bien sûr. Et c'est plus ça le fond du problème concernant, si on peut revenir aussi sur les débriefs, les analyses. Toi, en plus, qui a été un petit peu sur quelques plateaux foot, je pense que tu peux. Ouais, j'ai fait plusieurs émissions de foot. C'est pas mon métier à la base.
Donc je peux pas, je me suis pas dit je suis spécialiste foot, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi en fait. Quand tu es journaliste sportif, quand tu es consultant, etc., il y a pas de mal à dire les vérités. Bien sûr. Mais je pense que le métier, il a changé. Et les gens, certains, pas tous évidemment, il y a des gens qui font super bien leur métier, tant sur fond que la forme, etc. Mais il y a certaines personnes, elles se donnent en vrai plus en spectacle qu'autre chose. Et que le métier de certains, c'est devenu plus du show que de l'analyse, ou, ouais, etc. Donc en fait, c'est devenu un truc où les mecs vont discuter comme si ils étaient au bar avec leurs potes. Ce qui en soi, moi, ça me dérange pas. Ouais. Mais il faut que ce soit assumé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux pas dire on est une émission de sport premier degré où on analyse, on décrypte le jeu des joueurs et tout. Et puis là, tu vas te comporter comme si tu avais 4 Ricards dans le nez et tu es complètement bourré, tu es avec tes potes et tu fais des remarques qui sont limite. Franchement, parfois, je me dis, par rapport à certains joueurs, c'est personnel, ouais, tu vois. Ouais, grave. C'est ça le problème, c'est quand ça dépasse le cadre du football, comme je disais, c'est parce que des fois, ça va loin. Mais et oui. Comme c'est des. Ça peut être aussi des. Ils ont une parole, ils ont une audience, ils ont des gens qui écoutent, et après ça peut vite devenir tu peux être persécuté parce que les gens qui écoutent, ils vont des fois pas forcément voir les matchs et ils vont se baser sur l'avis de certaines personnes. Bien sûr. Et ça qui est dommage, et surtout qu'en vrai de vrai, ce genre de d'émission, c'est fait pour analyser foot, tu vois. Il y en a de très bonnes, hein, franchement. Moi je suis un fan de foot, je suis passionné, je regarde énormément d'émissions de foot, etc. Et j'aime bien quand il y a du second degré, tu bien vois. Sûr, c'est mais quand c'est assumé. Ouais. Mais j'aime bien aussi quand il y a de la vraie analyse, etc. Les réseaux sociaux, ça a joué un rôle là-dedans. Parce qu'on voit, il y a plein d'émissions où il faut faire parler. Ça va être des petites phrases, des petits trucs et tout. Ok, c'est rigolo, tu vois. Ça va découper le moment, ça va le mettre sur Twitter. Et puis ça va amener. Et après, ça en fait un fonds de commerce. Surtout que avec les réseaux, tout est exacerbé. C'est amplifié. Tu sais, tu coupes un morceau, tu coupes une minute de 10 minutes, mais c'est la minute où le mec, il a dit un truc un peu méchant, un peu taquin, mais pas bon enfant, tu vois. Bah ouais. Et après, ça peut, enfin, je sais pas, ça peut avoir des répercussions aussi sur même la réputation du joueur. Exactement, parce que maintenant, on est dans une société, un monde où la moindre chose est analysée, découpée, et c'est ça le problème, parce que c'est une question de contexte. Dans quel contexte tu l'as dit, comment, quelle était la question, et c'est vrai que maintenant c'est compliqué. C'est pour ça aussi, je pense que dans les athlètes, que ça soit bon en France, mais surtout par exemple aux États-Unis, puisqu'on est ici, prennent le parti maintenant d'être leur propre média, c'est-à-dire de soit d'avoir des compagnies qui sont propres à eux, ou simplement de s'exprimer sur leurs réseaux sociaux et de plus passer par des fois par les médias, on va dire, traditionnels, parce que c'est vrai que tu n'as pas toujours le contrôle de ta parole, et que même s'il y a énormément d'émissions et de journalistes qui sont bienveillants, il y a aussi des fois des choses qui sont plus hautes et qui font qu'ils ne peuvent pas te donner l'expression et le contrôle que tu pourrais avoir si c'était toi-même qui faisais. Toi, aujourd'hui, à un moment donné, tu t'es dit « Vaut mieux pas que j'ouvre ma bouche sur les réseaux, sur un sujet. » Et un truc, tu t'es dit « Ah, vaut mieux que je me taise. » Ouais, il y en a quelques-uns. Il y a des sujets sur lesquels c'est difficile de s'exprimer de par la position dans laquelle t'es. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des quelques côtés négatifs des réseaux sociaux, mais il y en a aussi des très positifs. Alors, par exemple, toi, je sais que tu utilises aussi tes réseaux sociaux pour des causes associatives, et j'aimerais que tu parles un peu de ça. Ouais, moi, en vrai, je vois mes réseaux comme juste un haut-parleur. Tout le mérite, il revient aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Quand je disais un petit peu tout à l'heure, honnêtement, quand j'ai vu, on a sauvé des vies, tu vois, avec les réseaux sociaux, sur des trucs fous, on avait besoin de matériel médical dans tel pays pour une personne qui était en galère. En un claquement de doigts, quand j'ai demandé aux gens de se mobiliser, ils l'ont fait.
on avait besoin de gens à un moment X ou Y pour distribuer de la nourriture. Claquement de doigts, les gens, ils ont répondu présent. Pour moi, tout le mérite, il revient à eux. Et c'est pour ça, en ça, que je trouve que les réseaux, il y a aussi un côté ultra positif et solidaire. Solidaire, ouais. Parce que sans ça, enfin, tu te rends compte, je sais pas, besoin de X dizaines de milliers d'euros pour solliciter plein de gens au-delà de ce cadre-là, c'est très difficile, tu Ouais. vois. Ouais, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup Exactement. de temps, et puis alors que là, c'est instantané. C'est rapide et c'est. Moi, je trouve les gens vraiment très volontaires, très solidaires. C'est vraiment un côté que j'aime énormément. Et même quand on fait des distributions, j'ai besoin de gens pour distribuer, il y a toujours mais des dizaines de personnes qui répondent présents, voire plus. Ouais. Des fois, il y a des centaines de personnes et tout. Je me dis, c'est fou, tu vois. Et je me dis vraiment, encore une fois, si modestement, je peux être le haut-parleur et dire, bah voilà, il y a besoin de ça, Tel jour, telle date. ben voilà, c'est formidable. Je trouve que c'est un côté vraiment incroyable des réseaux sociaux. Et même, je sais pas, il y a ce côté solidaire, je trouve que il est de plus en plus présent, paradoxalement, Ouais, à ce qu'on on pourrait pourrait croire, dire. etc. Il y a vraiment des gens, et surtout des plus jeunes en fait. Ouais. Et c'est ça qui me fait me dire, en vrai, souvent on dit ah, la jeunesse, machin, tatati, ils sont éclatés, c'est fini, génération Internet. Ben non, il y a aussi des jeunes, ils en veulent, et d'eux-mêmes, ils ont des initiatives solidaires de fou, ils ont des bonnes idées, ils arrivent à mobiliser plein de gens pour aider les autres. Et moi, le don de soi, je trouve ça incroyable. C'est aussi ça, c'est la transmission. Ouais. Je pense que c'est aussi des fois le rôle le rôle des parents de Bien transmettre sûr. et aussi on a appris, je pense, de là, on va dire la jeune génération, on a aussi un modèle des anciennes générations et de voir aussi de parfois avoir le recul sur ce qui était bien, ce qui était moins bien et essayer de en vrai de faire un monde meilleur sans être dans Non les phrases, tu vois, mais c'est vrai, on de pourrait ouf. croire que c'est bateau, mais c'est Ouais. la vérité. C'est la vérité. Toi, l'associatif, c'est un truc qui tient à cœur, tu te dis t'aimerais bien justement. Ouais, c'est quelque chose comme on disait, la transmission et le partage. En vrai, aussi, on est dans des positions où on a la possibilité de redonner aux gens. Et surtout, ça a aucun prix, de voir un sourire ou de voir une personne contente, et une personne que tu as pu aider. Et c'est vraiment quelque chose, ouais, qui me tient à cœur. Quelque chose au fil de ma carrière dans lequel j'aimerais m'investir de plus en plus, notamment avec les enfants, parce que c'est le futur. Et puis, je Bien sais pas, il y a sûr. quelque chose avec les enfants qui fait que je suis pas papa, j'espère l'être un jour, mais je sais pas, c'est spécial. Bien sûr. Les enfants, enfin moi, tu vois, je suis papa et j'étais papa super jeune. C'est quelque chose auquel je suis archi sensible. Et j'étais parti en Jordanie et tu vois, on parlait de transmettre des choses, etc. Et je suis parti avec l'association UEFA et avec Bibliothèques sans frontières. Et tu vois, aussi amener de la culture et du divertissement à des gens qui n'ont rien. Et on est parti en Jordanie pour faire un tournoi de jeux vidéo pour des enfants, des réfugiés, dans un énorme camp de réfugiés. Et il y a des gens qui disaient, ouais, c'est bien, mais ramenez-leur à manger. Mais évidemment, enfin, tu vois, évidemment, ces gens-là, ils ont de la nourriture à disposition, mais faut pas oublier. Tu vois, tu as les besoins de première nécessité, évidemment, C'est pas que c'est survivre. essentiel. Mais il faut, tu vois, les enfants qui. Il y en a, ils sont nés dans un camp de réfugiés et tout. Il faut aussi leur donner un peu, Autre tu sais, chose, juste un peu de bonheur, un qui peu de joie. s'évade un peu. C'est Exactement. vrai. Tu es comme ça, tu es surveillé dans un camp H24, tu n'as plus de pays, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de famille. Bah ouais, si. Et on a vu, hein, franchement, c'est la première initiative qui avait été prise comme ça. On avait été. Et on voyait. En fait, c'était magnifique. Tu voyais des filles avec des garçons, des groupes, tu vois, qui étaient dans un délire de compétition. Ouais. Et parfois, c'était la première fois qu'ils touchaient une manette de jeu, tu vois. Mais il y avait un truc tellement cool. Ils étaient tous heureux, tous le sourire. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est pour C'est ça. des choses qui paraissent simples,
Grave. Des jeux vidéo, des livres, mais au final, c'est des fois les petites choses qui peuvent éclairer le quotidien de certaines personnes en difficulté. Et comme tu disais, la nourriture, bien évidemment, c'est la base, mais il n'y a pas que survivre, il y a vivre et essayer de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager des moments aussi entre eux avec un sourire sur leur visage, en vrai. Non, mais clairement, je suis clairement d'accord et je pense qu'on peut terminer là-dessus sur le fait que bah, les enfants, c'est le futur. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de passer ce moment-là avec toi. Carrément, il fait nuit maintenant. De ouf. Ah, pareil, pareil, c'était Et un plaisir. bah, grave force pour la suite et de toute façon, on se tient au courant. Merci. Merci.